Allez, on va faire des exercices avec vous, Julie, ce matin. On va bien s'échauffer, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance type d'échauffement pour n'importe quel sport. Alors qu'on aille à la muscu, au tennis, en randonnée, enfin, histoire de bouger, on ne peut pas démarrer un sport sans s'échauffer. Ah bah non. Hein ? Son petit cœur, ses articulations, oui, ses tout jambes, ça. Petits bras. Hein ? Alors, qui est-ce qui vient ? C'est regardez, moi. C'est... Vous avez non, vu qu'on moi est plein de muscles, hein ? Moi, hier, j'ai mis le paquet, donc je laisse Maya bosser voilà. Aujourd'hui. Allez-y. Bon, alors, Maya vient avec moi. Allez, on y va. On est parti. Donc, vous nous dites ça, c'est pour tout type d'activité. Hein. Tout type d'activité. C'est, il faut vraiment, c'est quels sont les exercices de la journée, non ? Je sais pas, ça oui, peut alors, non. Ça va être un, oui, après, ça peut être une petite routine un pour se mettre en forme. Alors, on va démarrer tout simplement les jambes écartées. Ouais. On va faire une petite série de squats, ah, oui, tranquillement, d'accord. Voilà, mais tout doucement. Cool. Idéalement, on s'en fait une petite dizaine, quoi. Tranquille, on inspire, on souffle toujours. Avoir bien les talons dans le sol, bien l'appuyer aussi dans les orteils. Et ça, en fait, ça va élever la fréquence cardiaque. Et oui. Ok. Ensuite, on va aller travailler un petit peu au niveau de nos hanches. Donc, on va écarter un peu plus les pieds et on va travailler aussi au niveau du dos. On va glisser les mains sur la nuque. C'est ouais. Bon, il n'y a pas de problème de micro. Non, c'est bon. On va enrouler la colonne. Alors, vous je plie un peu les jambes. Ah, oui. Vous pliez les jambes jusqu'en et bas. Avec le dos droit ou c'est... Avec le dos rond. Ensuite, on enroule. Et là, alors, je ne sais pas si votre tenue va pouvoir me permettre. À mon avis, il va falloir tirer un petit peu sur le pantalon et on va venir s'accroupir. C'est bon ? Ouais. Magnifique. Le dos droit, et là, ce n'est pas forcément facile. Alors, vous êtes très souple, Maya, donc ça, c'est bien. Il se peut que vous ayez un talon qui décolle. Et bien, dans ces cas-là, vous glissez les mains ici et c'est OK. On va ensuite travailler un peu plus dans le dos. On va se déporter d'un côté, rentrer l'épaule, voilà, contre le genou et on va ouvrir. Vous sentez comme ça tire dans les lombaires. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, hein, ça détend. Hop. Et on va faire la même chose. De l'autre côté. Vous avez vu, Maya, elle garde les deux talons parce qu'elle est souple. Et moi, qu'il suit un petit peu moins, qui vous montre l'option, pour les moins souples, vous décollez un talon. Puis on revient tranquillement et on va venir poser les mains. Alors moi, je vous ai tout enchaîné hein, comme une petite routine ouais. Et on va venir en planche. Ah, ça j'aime moins. Arrivé en planche, on va passer le poids du corps sur les pieds pour venir en chien tête en bas. Et on garde va les revenir genoux. Ah, oui. Fléchis. Voilà, et on fait 5-6 allers-retours tranquillement. Les bras toujours tendus. Hop, et là ça chauffe au niveau des cuisses, au niveau du dos. Oh, ben un peu partout hein. Un peu partout. On en fait pareil, voilà. Vous pouvez faire jusqu'à une petite dizaine. Et puis tranquillement, vous allez ramener un pied, revenir pour continuer de bien échauffer la hanche. Puis l'autre. Si vraiment c'est trop difficile, Maya, je vous laisse la version difficile parce que vous êtes bien. Ouais. Et je vais prendre l'option facile. Je passe par la version à genoux. Pareil, on en fait une dizaine. Ouais. Quand on a terminé, eh bien, nous voilà fin prêt. Hop, on va se remettre debout. On déroule tranquillement. Puis vous êtes prêts, quoi. Nickel. C'est censé être un échauffement, on est d'accord. C'est pas un échauffement. Non, c'est pas la vraie séance de gym. Ah ouais, non, mais là, on l'a fait en accéléré parce qu'on a peu de temps, parce qu'il faut être bien et qu'il faut aller droit au but. Moi, on me dit droit au but. Mais vous y allez. Ah, j'y vais. Vous étiez impérial, les filles. Ah. Non, mais très, très bon modèle. Oh, mais du coup, ça active l'énergie. Alors, si je peux avoir juste mon petit tableau récapitulatif, ça serait fantastique. Voilà, donc c'est bon pour qui ? Bah pour tout le monde. Pour tout le monde. Même les enfants, hein, avant de démarrer une petite activité physique, c'est important. Bah, ça coûte rien. L'intensité, j'ai mis 2 petits bras sur 5. Vous êtes d'accord, Damien ? Oui, vous auriez pu mettre aussi 3 petites jambes, 2 petites cuisses, 3 petites cuisses, au total. C'est bon pour eh bien, le cœur et c'est bon aussi pour assouplir et énergiser l'ensemble de votre corps. Le point positif, c'est que ça préserve les articulations. Vous savez que, par exemple, quand on a mal au dos, eh bien, il faut bouger. Donc, oui. Voilà. Surtout pas rester immobile. Et du coup, il n'y en a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Non. Donc, je n'ai pas d'excuse, en fait. Non. Merci, Julie. Non, mais ça fait du bien.